Salut tout le monde, c'est Shadows, on se retrouve pour la 10e partie je crois. C'est ça, il me semble, hein. De Metroid Fusion sur Game of Legends. Alors... Donc ces merdes... Ils vont nous emmerder pour passer si on les gèle pas. Donc le truc c'est de les geler en fait. Comme ça. Alors lui j'ai bien raté, voilà. Et de passer en boule comme ça. Si on le fait pas, bah il gonfle en haut et nous bloque le passage. Là notre prochaine arme, comme j'ai dit dans le précédent épisode, va être le missile de diffusion. Donc là on avance un petit peu tant qu'à faire. Ah on peut pas. Donc on revient sur nos pas. On va par ici. Et là on est bloqué. Là on est bloqué, on peut rien faire. Et j'ai plus ni de bombe de puissance, je viens de remarquer. Donc, c'est génial. Ok, là faut courir. Donc on va courir. Oh. Voilà, je peux faire ça. Lui on va le dégommer avant qu'il nous défonce. Voilà. On va se passer cette boulette. Et on y va. On court. Voilà, on va ici et par là. Ok, on avance. Ok, donc là on fait gaffe. On peut monter comme ça si on monte avec les échelles, hein, c'est comme vous voulez. Ok. Ok, j'ai fait de la merde. On monte là-dessus. Là. On va par ici. On pète ça. Et là, il faut un missile. Ok. Bon bah tant pis, on avance. Ok, on fait ça. On prend les X tant qu'à faire. Hein. Ça nous redonne un peu de vie. Et là on va accéder au centre de données si je me trompe pas. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois que non. Effectivement. Et on va récupérer quelque chose. Effet de diffusion acquis. Charge avec R et tir avec B. Donc effectivement, comme je vous l'avais dit, hein, on obtient le missile de diffusion. Donc on reste appuyé sur R. Et on lâche. Et voilà ce que ça fait. Alors avant de continuer à gauche, je vais revenir sur mes pas, si ça me se le veut bien, pour accéder... un truc que je vais remarquer. Alors ça s'en fout. Ok, c'est génial. Ok. Alors c'est ça. Bim. Voilà, on défonce ça. Alors par contre c'est con parce que j'ai pas de... Ah, on passe par ici. Ok. Ok, on va par ici. On accède au secteur 6 knock. Là, mais j'imagine qu'il faut courir. Ah non, on peut pas y accéder. Donc on retourne sur nos pas. Donc j'aime bien ce décor devant le... l'espace en fait. Hein. Sympa. Ok, on continue. Alors par contre ce qui m'embête c'est que j'ai plus de bombe de puissance, donc tant pis, on va faire sans. Donc là on va geler tous ces ennemis pour pouvoir passer. Voilà, avant ici il y avait de l'eau, on pouvait pas y aller. D'ailleurs on va pouvoir aller ici maintenant.
Y'a rien de spécial apparemment. Si, 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 y'a un truc spécial. Alors quoi? Ok, un missile. J'ai bien fait d'y aller au final. Ok, donc là on s'en fout. On remonte. Et on va se faire engueuler. Si je dis pas de bêtises, on va se faire engueuler par l'ordinateur. Et on va recharger tout ça. Voilà, ça fait du bien d'être à fond. On sauvegarde pas tout de suite. Et là, on va parler à l'ordi. Tu as obtenu des missiles plus puissants? Étrange. La base ne m'a rien dit. Un oubli, probablement. Quoi qu'il en soit, tu n'aurais pas dû outrepasser le niveau de sécurité 4. À l'avenir, suis scrupuleusement les ordres. Samus, te souviens-tu de ce robot de sécurité que tu as rencontré tantôt? Les X l'ont infecté. Ils se sont attaqués aux éléments organiques de son réseau neuronal. Il occupe le secteur 6 NOC. Plutôt que de spéculer sur ses intentions, réagissons vite. À toi de jouer, Samus. Donc là, on approche vite de la fin du jeu. As-tu compris ta mission? Oui. Fonce vers le secteur 6. On approche très vite de la fin. Là, pour tout vous dire, je crois qu'il nous manque juste un rayon à obtenir. Et puis, on sera fin prêt pour commencer à affronter Satix. Mais bon, il y a encore du chemin. Alors, je ne sais pas où je vais. Si c'est là. J'ai bien fait. Le robot de sécurité semble être beaucoup plus puissant que la dernière fois. Ce problème m'inquiète. Samus, sois très prudente. Quand tu auras terminé, quitte le secteur NOC immédiatement. Le SA-X te pourchasse. As-tu compris ta mission? Oui. Ne perds pas de temps. Est-ce bien clair? Alors... Ah oui, non, je dis des bêtises. Il ne manque pas que le rayon. Hein. Il manque aussi quelque chose d'autre que vous verrez tout à l'heure. Ou dans un prochain épisode, je ne sais pas. Je ne sais pas quand je l'obtiendrai. Ok. Ok. Alors, par contre, je sais pas où aller. C'est embêtant. Donc, on va essayer d'accéder aux endroits inexplorés. Donc, c'est parti. On avance à l'aveuglette. Vers la fin du jeu, c'est vrai que le robot nous guide moins sur... Enfin, l'ordinateur nous guide moins sur les destinations où aller, en fait. Hein. Donc, on verra. Donc, on va descendre. C'est mieux à faire, je pense. Ouais, on va descendre. C'est tellement jouissif. Ok. On va passer à gauche. Ok, je crois que je suis sur la bonne voie. On va sauvegarder un moment quand même. Histoire de... On retourne en arrière. Ce rayon est tellement jouissif, je trouve. Allez, on continue par là. En tout cas, je sais que je suis sur la bonne voie. Là, on va tout péter. On va descendre ici. Ok.
On va re-sauvegarder histoire de... de reprendre d'ici au cas où, hein. Je fais face à tous les imprévus. Là, on pète tout. Ok. On continue là. Ok, ici on est accédé. Là aussi. Voyons voir. Où je peux, où je pourrais aller? Ah bah ici. Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là je tourne vraiment en rond. Au pire je couperai au montage, hein. Là je tourne en rond, ouais. Ok, je pense que c'est ici, peut-être, hein. Alors effectivement, c'était par là qu'il fallait aller. J'étais un peu à la ramasse, je suis désolé. Mais bon, ça sera coupé au montage, hein. Vous n'y verrez que du feu. Ah, je suis comme ça. Non. Évidemment. Ok. Ça marche pas comme ça. Ok, ça aurait été trop simple, donc je vois pas comment obtenir ce missile. Ok. On continue par là, on n'a pas le choix. On va par ici. On pète tout. On va voir par là. Sauvegarde, je m'en doutais. On sauvegarde ici et on continue un petit peu. Voilà. À gauche. D'accord. Donc là, on va retourner en arrière. Donc en fait, j'ai pénétré dans une salle et là, il y a une sorte de alarme qui s'est déclenchée. Donc là, je vais retourner en arrière et théoriquement, il y aura un robot de sécurité qui va arriver.
pour m'arrêter en fait. Ces robots de sécurité, on l'a déjà affronté. Malheureusement, maintenant, il est infecté par les X, comme l'a dit l'ordinateur. Voilà. On pète ça. Non, c'est comme ça. On pète tout, tant qu'à faire. Je le trouve plus simple à battre que... qu'avant. Après, ça tient qu'à moi. Hein. Ok, toi, tu pètes. Ok. Ouf, c'était juste. Je m'en suis pris un quand même. Ok. Ah, il y a toujours un missile qui arrive à m'atteindre. Ok. Allez, viens, connard. Ok, détruit. Donc là, on va détruire ce noyau. Et on va acquérir un nouveau rayon. Et il s'agit du rayon... Rayon à vague, restauré. Ce rayon traverse les murs. Donc à la différence du rayon plasma qu'on avait juste avant, cette fois-ci, ce rayon traverse carrément les murs. Donc on va pouvoir obtenir plusieurs choses. Donc, ce rayon est très puissant. Et il sera capable de détruire Saïx. Alors, avant d'aller plus loin, on va sauvegarder et se quitter ici. Voilà. J'espère que cette vidéo, cet épisode vous aura plu, malgré qu'il soit un peu court. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre aventure et bientôt la terminer avec Samus Aran sur Metroid Fusion. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao! Warning. No entry without authorization.